Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito, Benito de Massanta. Je vous souhaite un excellent dimanche dans vos différentes familles et à tous les fidèles chrétiens, que toutes les prières soient acceptées. Dans ce petit direct, nous évoquerons deux ou trois cas. C'est-à-dire le premier cas, c'est remercier ici Agassila qui a fait une sortie. Avant qu'on interprète sa sortie autrement, nous voulons d'abord éclaircir et dire pourquoi il est sorti, pourquoi. Et montrer pourquoi il a raison, parce que c'est un footballeur international. Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est pas n'importe qui dans ce pays. Il a peut-être plus de 10 ans, 15 ans de carrière. Devant lui encore, hein, 10 ans peut-être devant lui, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait plus de 10 ans de carrière, quelqu'un qui a honoré et porté nos couleurs haut. Donc partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. En deuxième point, nous allons dire bonjour à Dansa Konolala, qui a été interpellé par l'ancien ministre malien de la justice et par l'avocat général en France, qui a souligné des passages au niveau de la Constitution. Donc, bonsoir à tout le monde. Salut mon frère Kourman Vali depuis Massanta chez moi. Bonsoir la tata Adama et Brigitte, comment ma sœur chérie? J'ai vu ta photo toute belle. Ma sœur chérie, comment vas-tu Brigitte? Respect à toi. I love you too much, ok? J'ai fait une petite erreur sur la date de mardi. Au lieu de dire mardi, j'ai dit lundi, excusez-moi très fort, c'est mardi, ce n'est pas lundi, voilà, c'est mardi le 20. Mais vous avez vu, les gens ne sont pas tolérants sur les réseaux sociaux. Donc on ne fait que me reprocher, c'est vous aussi. Rectifiez et puis on passe, vous aussi. Ah! Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Donc, chers frères et sœurs, nous allons terminer par Dansa Konolala, celui qui enseigne ses travailleurs. Mais pour le moment, n'oubliez pas que j'ai fait une petite erreur dans la communication, j'étais dans le divan, concernant la manifestation devant le consulat en New York, c'est mardi le 20 et non le lundi le 20. Vous comprenez? Mais nous disons bonjour à mon frère Issa Gassila, merci beaucoup. Mais Mouna Falafel n'est parce que Mirindera déclaration de Tongoban est transformée. Et cela va arriver autrement. Ils vont te sanctionner et t'exclure du CIDI national de Guinée. Mouna Kolo, et tu es capitaine du CIDI national de Guinée. Parce que nous avons tous vu le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et toutes les compétitions. Ce qui est marrant, personne ne va remarquer cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, mon frère Siata Kabafouvana a compris que je m'étais trompé. Merci beaucoup, frère. Donc, M. Sagassila, et je réaffirme, je le dis encore une fois, j'apporte mon soutien total aussi à Yamasega. C'est moi qui le dis à Yamasega. Voilà, je l'ai dit et la vidéo a été partagée sur TikTok. Allez-y dormir sur mes vidéos sur TikTok. Moi, je suis pas sur TikTok. J'ai même dit aux uns et aux autres d'arrêter de m'envoyer des vidéos de TikTok. J'ai tellement dit ça. Je ne suis pas sur TikTok. Dès que vous m'envoyez une vidéo sur TikTok, je tente d'ouvrir et puis on me dit de m'abonner. Et je ne veux pas m'abonner sur TikTok. Est-ce que vous comprenez? Moussa Kabaka, on va tu mon beau. Salam alaikum. Donc, chers frères et sœurs, nous disons encore une fois, et vous le savez très bien, pourquoi j'apporte mon soutien à Yamasega. Vous avez enlevé dans le contexte réel de sa réaction par rapport à l'aéroport, et vous avez envoyé ça ailleurs. Vous voulez maintenant... Ah, madame, ok. Ok, excusez-moi, oh là là, excusez-moi. Pensez ça. Si Atakawa, excusez-moi, chérie, ok. Excusez-moi beaucoup, s'il vous plaît, madame. Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi, ok. Donc, vous avez enlevé, Tijalandoaï, comme vois-tu mon champion depuis Bicyclement, vous avez enlevé la situation dans son contexte. Ce que la jeune demoiselle a dit par rapport à l'aéroport, c'est aujourd'hui que vous voyez cette situation-là, mais
Selon les informations qui sont sorties après, il y a un problème, un sérieux problème à l'aéroport au niveau du service VIP. Vous comprenez? Et ce n'est pas important. Mais jusqu'à aller chercher ces anciennes photos, il y a beaucoup de ces jeunes filles, ces jeunes dames qui envoient leurs photos à leurs copains, à leurs amants. Voilà. Sur le Maboul, c'est les Vauriens qui prennent ça, mettent ça sur, parce que c'est un personnage public. Et les artistes ont mis ça sur, dans les inbox pour regarder. Mais dis donc, toi qui envoies sa photo dans les inbox, moi-même, j'étais contre. Quelqu'un m'a envoyé ça. Il peut témoigner. J'ai dit à la personne que je ne veux pas voir des photos comme ça dans mon inbox. J'ai automatiquement dit à la personne, je ne veux plus avoir des photos comme ça dans mon inbox. Mais heureusement, il s'est excusé. Yamasega est une petite sœur. Je connais Dingray, je connais Dabola. D'ailleurs, nous, on a été exemplaires. Hein, parce que mon père a construit à Dabola. Ce n'est pas chez nous, mais il a construit. Partout, tu es en Guinée, là, c'est chez toi. Nous avons fait 5 ans à Dabola. Les Dabola Kala, ils vont m'aider. Ils savent très bien. Oh, ok. Oh, ok, 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 ok. Ok, c'est... Ok. Ok, ok, ok. Bien compris. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Et ça va bientôt, Noël. Comment va-t-il? Donc, nous revenons sur le cadre de Issa Gassila. Issa Gassila, notre capitaine, parce que d'aucuns diront que nous profitons de ça pour attaquer le gouvernement. Nous n'attaquons pas le gouvernement. Nous avons, parce qu'il est sorti par rapport à votre poste, à la publication concernant Bassikolo. Il y a un coin que vous appelez Bassikolo, que vous voulez mettre en œuvre. Les lieux de distraction, piscine, autres, dans Grand Conakry. Le lieu qu'on appelle Bassikolo, moi je ne connais pas le lieu que vous allez mettre en œuvre, les gens vont s'amuser, c'est le lieu de distraction, il y aura ceci, cela. D'accord, ça c'est Conakry. Mais si vous voyez aujourd'hui nos internationaux la sortent pour déplorer, elle va très bien, Bitayo, elle va très très bien. Elle est sa grand-mère pour le week-end. Donc, Issa Gassila déplore aujourd'hui qu'on met l'accent sur les futilités par rapport, on reçoit même, je ne sais pas si c'est un envoyé spécial, moi je ne savais même pas qu'on a un représentant, un consulat à Los Angeles. Je ne savais pas que la Guinée a un consulat à Los Angeles. Le consulat de Los Angeles envoie quelqu'un pour faire la promotion de la Guinée pour les Jeux Olympiques à venir. Et vous n'êtes pas sûr que vous serez là avant, avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Des dépenses qui ont coûté combien? Plus de 50 000 dollars. Vous prenez 50 000 dollars. Vous prenez 50 000 dollars. 50 000 dollars, c'est combien? Entre Dieu et vous, c'est combien 50 000 dollars? Si on était sérieux, le stade de 26 septembre, au moins, regardez le stade de Libéria, c'est un petit stade, hein? Le stade de Libéria est un tout petit stade. Mais la pelouse et les dortoirs, et comme ça, les vestiaires sont pris en charge par le gouvernement. C'est-à-dire, c'est... C'est-à-dire, c'est que le Libéré a fait le temps de Georges Weah. Il a confié la gestion de stade à la présidence de la République. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas d'erreur. Les 50 000 ou 100 000 dollars qui ont servi à inviter un Bonarien, nous sommes en 2024. Les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est 4 ans à venir. Est-ce que vous serez là dans les 4 ans à venir? Vous dépensez dans le vide. Prenez cet argent. Allez-y au moins. Payez des gazons, vous mettez hey, les standards, les discussions par rapport au stade-là. C'est la pelouse d'abord. On regarde l'état de la pelouse. Après, on s'en va dans les vestiaires. Mais ce n'est pas la beauté du stade qui intéresse la commission de la FIFA et de la CAF. J'allais oublier. La Sierra Leone également. Allez-y voir la Sierra Leone. Ils n'ont pas un grand stade. Hein. Ils ont un petit stade. Mais les gazons, la pelouse et les vestiaires sont gérés par la présidence de la République. Voilà pourquoi tous ces pays-là n'ont pas de problème de stade. C'est la présidence qui gère les stades pour éviter
d'aller jouer à l'extérieur. Dans notre pays, vous faites assez de bruit. Aujourd'hui, la sortie, parce que je sais, dans deux ou trois ou quatre jours, les gens, l'État va réagir. Le bon arrière Bogolan là-bas viendra attaquer le capitaine de Syrie, Issa Gassila. Et il a parfaitement raison. Donc, nous mettons en garde. Issa Gassila n'a fait que dire la vérité. Parce que ce qu'il a dit là, il ne s'est pas adressé à quelqu'un. Il dit qu'il déplore qu'eux, ils vont jouer les masses à l'étranger. Et puis, c'est un stade en Côte d'Ivoire ici, du côté par là. Par là, juste vers là. C'est à Korogo, je pense, à Korogo. C'est à Korogo que nous allons jouer tous nos matchs. Et pourtant, il suffit. L'argent qui a servi à organiser la Mamaya à Cancan est largement suffisant. J'ai dit largement suffisant pour faire la pelouse du stade Lance à la Côte. Et ce que moi je déplore et qui me fait très mal, on vient de vous rendre le stade là. Si le coup d'État n'avait pas eu lieu, les compagnies, les sociétés qui ont fait les pelouses, les stades à Abidjan, avaient le même contrat, avaient le contrat des stades de Conakry. Regardez les stades d'Abidjan. Regardez les stades de la Côte d'Ivoire. Regardez les stades de la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit que ce sont les sociétés-là qui allaient faire nos stades, imaginez aujourd'hui les jolis stades de la Côte d'Ivoire. Les stades que la Côte d'Ivoire nous a montrés, qu'on vous dit, hein, que c'est les mêmes sociétés-là qui allaient faire les stades là en Guinée. Quels que soient nos problèmes, on vous dit que ce sont eux-là qui ont obtenu le contrat. Je demande au président Alassane Ouattara d'intercéder auprès de l'Alpha Condé pour avoir les mêmes contrats. Ils ont 8 stades en Guinée. Imaginez-vous. Vous ne savez pas combien de fois, quand vous faites les stades là, ça augmente le fonds de commerce, la stabilité, le mouvement de commerce dans une localité, quand on fait des stades. Vous pensez quand les pays se battent pour obtenir l'organisation des compétitions-là, c'est pour juste les stades? Non. C'est que cela impacte dans le mouvement du commerce de la localité, même du pays. Ça change la donne. Vous voyez même que les gens... Regardez l'Arabie Saoudite, qui est en train d'investir des milliards pour obtenir uniquement la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite. La Coupe du Monde. En 2030. En train de payer des joueurs à combien, hein? À combien de millions de dollars? 100. C'est eux qui sont capables de payer un joueur à 200 millions de dollars. L'Arabie Saoudite. Uniquement pour la publicité du pays. Uniquement, hein? Parce qu'ils visent 2030. La Coupe du Monde 2030. Vous pensez que ce sont des futilités? Eux, ils savent cette compétition qu'on appelle la Coupe du Monde, ce que cela va rapporter à l'Arabie Saoudite. En matière de visibilité, en matière de crédibilité. Dans notre pays, ce sont des artistes, j'ai entendu tout récemment, qu'on veut relancer quand les activités culturelles. Est-ce que vous avez un centre culturel? Et pourtant, les gens nous ont vendu ici la construction d'un centre culturel. Ils ont montré la maquette. Ça a fait rêver les gens. C'était juste pour avoir du temps. La maquette du centre culturel à Emimbi, c'est comme les différentes poses des premières pierres des aérodromes. Où sont ces aérodromes? C'est Goumou qui avait posé toutes les pierres. C'était tellement médiatisé à Emimbi. Où sont ces aérodromes? Athé. Général Bamba, comment vas-tu? Donc, il sait que Issa Gassila a dit. Il a déploré, c'est la vérité. Nous pouvons rajouter. Au lieu que vous jetez votre argent, vous avez l'argent parti. Aujourd'hui, là, combien coûte une pelouse? Combien? C'est ce qu'il a. Il n'a pas détaillé, mais les gens ont détaillé en bas. Combien coûte une pelouse? Pas moins de 200 000 dollars. Hein, une pelouse. Merci pour 2034. Merci mon frère pour l'arrêt. Merci. Cher Konaté, on va être mon champion. 2034. Merci frère Yamoussa. Merci Ntara. 2034. Hein? Regardez ici aux États-Unis. Des simples écoles, hein, des collèges, c'est même pas des universités. Des simples collèges payent des gazons pour faire des stades partout. Des simples collèges, hein?
des simples collèges. Même en Europe, des collèges paient les gazons pour mettre ça sur. Oui, pour combien de carrés? Des pelouses qui ne coûtent pas cher. Mais qu'est-ce que vous faites de la mamaya des autres? L'argent là, prenez ça, achetez des gazons pour nous, pour que nous quittons dans cette honte. Vous ne trouvez pas que c'est une honte? Merci beaucoup, frère Ouriba. Merci pour le cœur. Ce que le frère Djenre Bamba dit, c'est la vérité. Est-ce que vous savez combien de fois le sport unit les gens? Mais ils ont mis, ils ont oublié. C'est maintenant que nous relançons les activités culturelles. Vous avez des centres? Vous n'avez pas de centre. Mais vous allez voir le poste d'un individu quelque part, un poste d'un individu quelque part. Non, le gouvernement travaille. Regardez le bateau. L'affaire de bateau, est-ce que ça a impacté quelqu'un? L'affaire de bateau a impacté quelqu'un quand le bateau est arrivé. Ce n'est pas des bonnes personnes qui ont déculotté cette situation de bateau. Le bateau était là. Mais qu'est-ce que tu as dit? La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Parce qu'au moins, voilà pourquoi je ne vais jamais m'associer à quelqu'un pour saboter à la fin de Ouattara. Même si vous n'aimez pas la personne, ce n'est pas mon problème. Mais vous savez combien le monsieur a mis? Combien de milliards il a mis dans les stades à la fin de Ouattara? Vous savez combien il a mis? La canne est finie. Est-ce qu'ils ont démonté les stades? Je dis bien, la canne est finie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont démonté les stades? Ils ont démonté. Regardez ce que les stades. Aujourd'hui, les stades là, même, regardez, la Côte d'Ivoire a augmenté en nombre de clubs. Hein? La Côte d'Ivoire a augmenté son championnat, le nombre d'équipes. La Côte d'Ivoire est en train de penser à renouveler, c'est-à-dire à donner la chance à des sous-préfets, au club des sous-préfectures. Mon grand-père Condé, comment vas-tu? Ça, c'est Alassane Ouattara, c'est investi dans le stade. Parce que est-ce qu'il va apporter, même si c'est des crédits, que Dieu nous aide qu'on ait des crédits comme ça, des stades en crédit, que Dieu nous aide qu'on ait des routes en crédit, que Dieu nous aide qu'on ait tout en crédit, mais que ce soit sur le territoire guinéen. Si tout est crédit, mais c'est sur le territoire guinéen, où est le problème? Hein? C'est une question. On y a, c'est des crédits. Maintenant, est-ce que ceux qui ont mis les stades là sont partis, les crédits, ils ont apporté, ils ont ramassé tout pour envoyer. Voilà les stades flambants, regarde les stades en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus le problème de stade. Hein? Ils ont oublié le problème de stade. Maintenant là, hein? Regardez-les, même des sous-préfectures, des petits clubs, quand il y a un tournoi, le stade est là, il suffit de payer la caution et puis il a compétition. Ça y est. Et ce qui me fait. Ce qui me rend extrêmement joyeux, c'est le président de la Fédération Ivoirienne de football. Allez-y vérifier. Il a mis une commission technique de surveillance de l'état des pelouses. Parce que cela a été exigé par Alassane Ouattara. L'entretien, suivi et évaluation des stades. Allez-y voir. Hein? Mais aujourd'hui, Issagasila a parlé. On a ton moine à Kosovo, non? Il veut éliminer l'État. Est-ce que nous ne sommes pas dans un État? Nous sommes dans une junte. Mais vous allez expliquer ça autrement. Le capitaine de Sud n'a pas raison. Qu'on aille jouer dans les autres pays, même si c'est un pays frère. C'est un pays frère, la Côte d'Ivoire. Nous sommes presque des mêmes peuples. La Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais vous aussi, au moins le stade Lansana a compté. Flambant neuf qui a été remis. Vous avez un directeur du stade vaurien. Hein? C'est fait bouger ses fesses. Un garçon qui a de grosses fesses là. Ça donne rien. Un garçon qui a de grosses fesses, c'est rien. Il n'y a rien dedans. Il est resté à côté du stade, tout est gâté. Vous partez dans les vestiaires, c'est les capotes qu'on rencontre dans les douches là-bas. Selon les informations, des capotes qu'on rencontre dans les vestiaires au stade. À un moment même, ils avaient transformé le stade en un lieu de spectacle. C'est très rare dans les autres pays
qu'on fait un spectacle dans un stade très rare. Mais là, nous apportons notre soutien au capitaine de Sili. Vous savez que ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi moi j'appuie ses propos? Parce que ce qu'il a commencé là, d'autres vont sortir, dénoncer, parce que c'est honteux. Nous avons vu KPC, nous avons vu soirée, couper un cordon devant le stade de là, ça raconte que c'est en rénovation, qu'il lance les travaux. C'était devant Bogolan, hein. Allez-y voir, c'est lourd, c'est devenu une piscine. Bravador même a partagé sur sa page. C'est honteux. Comment est-ce que les gens là peuvent tromper le peuple? Ils sont venus couper le cordon pour montrer aux Guinéens que non, bien, ils ont repris les travaux de rénovation du stade là. Maintenant, regardez l'état du stade. Où sont ces travaux? Arrêtez de nous mentir, KPC. Voilà pourquoi moi, je n'ai même pas dit ton nom. Je n'ai même pas dit ton nom. Regardez, parce que le président de la CAF a parlé de 50 000 dollars pour les clubs, Béja Braouli, le Milo et les Paoria vont bénéficier de 50 000 dollars. Mais vous allez jouer sur quel terrain? Hein? Vous allez jouer sur quel terrain? Ce qui est honteux, c'est que vous coupez un cordon avec un ministre enceinte, qu'on avait beaucoup là-bas, il était enceinte maintenant, regardez son ventre, vous coupez un cordon, que vous êtes content, le démarrage, la rénovation du stade l'ancien la comté. Maintenant, regardez l'état. Où est passé ces travaux? Et puis, de plus, vous n'avez pas honte des pères de famille de mentir à tout un peuple. Ce n'est pas vous, hein, c'est les moutons qui vous suivent là. Les quelques moutons qui sont à Coronti là, qui veulent croire à vos mensonges. Des quelques moutons là qui sont sur la route de Matoto là, qui vous croient. Sinon, nous sommes déjà éveillés depuis. Nous savons très bien que quelqu'un qui se lève un beau matin pour attaquer son bienfaiteur là est plus mauvais que le mot mauvais. Donc, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Que j'apporte mon soutien au capitaine Issa Gassila. Mais au capitaine, il faut continuer à dénoncer ça. Parce que ce que tu dis est réel. C'est inimaginable. Qu'au 21e siècle, nous partions jouer nos matchs à l'étranger. Nous avons deux stades. Le stade de 28 septembre, même le stade de Coréa, est un stade qui peut jouer, qui peut recevoir. Oh, Queen. Allô, Queen? Yeah. OK. Wait, I'm coming. Queen, I'm coming, okay? Please, baby, I'm coming. Bye. I love you, okay? Yeah. Yeah, bye. Vous comprenez? Hein? Donc, mon frère Sagasila, parce que nous parlons du 21e siècle, tu parles de stade. Parce que loin, les gens ont cité la Sierra Leone, le Libéria. Mais nous dépassons ces pays en matière d'investissement. Aujourd'hui, ces pays-là vont recevoir. Ils vont recevoir les matchs à domicile. Pourquoi pas nous? Hein? Le Mali, ils ont un seul stade, le stade de 28 mars. Mais ils font tout pour recevoir les gens au stade. C'est un pays de gente. Hein? Le Burkina Faso, c'est un pays de gente. Le Niger est un pays de gente. Mais tous ces pays vont recevoir les matchs à domicile. Pourquoi pas nous? Alors, vous avez vu que ce n'est pas un problème de... C'est un problème. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà encore, les gens veulent, hein, les gens veulent, hein, qu'on nous donne un mandat à un individu comme ça. Vous comprenez ça? Qui peut donner un mandat à cet individu? Un mandat de plus de 5 ans? Qu'on a le centre culturel Bassikolo va recevoir des mouvements culturels de tel. Est-ce que c'est Bassikolo qui nous représente? Nous avons besoin de terrain où nous jouons à domicile. Le peuple paie son ticket, la population pour aller sur les masses à domicile. Nous avons nos masses à domicile. Éliminatoire, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, nous allons jouer tout seul en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous allons payer? Vous pensez que c'est gratuit? Les gens pensent que c'est gratuit. C'est gratuit? Demandez si c'est gratuit. Non seulement nous partons jouer sur les autres, et puis nous payons. Comme nous sommes irresponsables, l'argent qui devait servir à payer
nos rencontres à l'étranger devaient servir à faire des stats. Donc, mon capitaine, je te soutiens. Je te soutiens dans ton combat. Tu as parfaitement raison, M. Sagasila. Merci, merci beaucoup, champion. On te supporte. Maintenant, nous allons terminer par, n'oubliez pas le rendez-vous de mardi 20, Inch'Allah, devant le consulat à New York, pour dire à ces individus qui sont à l'intérieur du consulat, qui sont incapables de donner des documents de voyage au Guinée, des salauds qui sont là-bas, 15 personnes dans deux pièces, voilà, je dis 15 personnes dans deux pièces qu'on appelle consulat à New York, ils ont envahi le consulat, voilà, il faut le voir là-bas en train de parler. Et puis, ce que Sozo a dit, Yamase Gadi, c'est la vérité. Personne ne compte une langue dans ce pays-là. Mais allez-y dans tous les bureaux. On ne parle que le malinké. Ce qui est dommage. Même au consulat, c'est la langue malinké qu'on parle là. Hein? Je dis, c'est la... Ah, toi, tu as vu la fille de Doumbouya à Québec. Je dis qu'elle parle... mon frère, écoutez-moi très bien. Et tous ces papiers sont déjà faits pour aller étudier. Elle fuit la France. Mais des gens nous ont promis aussi au Canada... Elle aura la vie difficile au Canada, Inch'Allah. Donc, on laisse ça. Croyez-moi. Donc, ils ont envahi l'ambassade et puis continuent à parler notre langue. C'est nous qui parlons mandingo. C'est ceux qui se parlent là-bas. Et Masega a dit, à l'aéroport, tu arrives à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on parle à l'aéroport? Elle a raison. Au salon vient et puis on parle quand on parle malinké. Mais nous sommes dans un pays. La langue officielle doit être parlée à l'aéroport. C'est normal de pas parler la langue. Mais quelle est la langue nationale officielle en Guinée? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous n'entrons pas dans ce débat-là. Hein? Voilà pourquoi j'apporte mon soutien à cette demoiselle. Elle a parfaitement raison. Elle a une base s'exprime en français, la dame parle en malinké. Ou bien, elle parle en malinké. La dame dit que, après quelqu'un, ça va prendre, faire la photo de Grand P, que l'ambassadeur de Grand P vient de sortir de salon. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat inutile. Quand vous donnez un passeport diplomatique à Grand P, c'est vous qui savez que si Grand P va servir quelque chose pour le pays, ça c'est votre problème, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Donc, nous allons prendre le Konolala, l'enceinteur numéro un, celui qui n'a pas, qui prend sa queue partout dans les caleçons des jeunes filles qui travaillent au CNT, dans Sakuruma. Nous remercions d'abord l'ancien ministre malien de la justice, qui a soulevé beaucoup d'erreurs dans l'avant-projet de la Constitution. Nous ne sommes pas juristes, mais les juristes là, ils regardent, ils comparent. Je vais faire lecture du document, nous allons écouter. Moi, je le dis simplement merci parce que dans ça qui n'est pas juriste, ne rentrera pas dans ce jeu. Il le sait très bien, il ne sortira pas gagnant. Contre le ministre de la Justice du Mali, qui est un ancien procureur, il sait très bien qu'il a affaire à quelqu'un qui est bien assis, qui appartient à un cabinet juridique et des juristes aussi en France. Donc, messieurs, voilà, ils ont relevé beaucoup d'erreurs dans l'avant-projet de la Constitution. Nous ne sommes pas des juristes. Nous ne sommes pas des juristes, on ne sait pas. Ce que vos documents là disent, on ne sait pas. Mais c'est lui qui nous explique toutes les erreurs. Hein? Toutes les erreurs. Il nous détaille par-ci, par-là, où il y a eu des erreurs. En fait, t'inquiète, assalamu alaikum. Tout. Donc, ni coursi qui là-bas, là où tu prends ta queue, là, il y a la tamantama, demosonu nous quand, il a baradia. Il faut écouter. Je pense que tu lis, tu es sur les réseaux sociaux, oui, tu viens sur ma page. Parce que, je dis bien, il faut dénoncer sur radio Kabak TV, Trump actuellement de Guinée, etc. Laissez Kabak TV là, laissez les gens là. Heureusement, ils parlent dans une seule langue, mon frère. Quand tu vas chez moi à Masanta, les gens ne comprennent pas Soussou. Tu vas à Zérékoré, ils ne comprennent pas Soussou. Il n'y a que deux ou trois personnes qui comprennent Soussou. Donc, ils s'expriment dans la langue Soussou. C'est pour faire croire au Baskotka. Et je te dis, mon frère, les Baskotka sont en avance sur Radio Kabak. Quelqu'un m'a attiré mon attention sur ça. Laissez les gens là, s'il te plaît. Regarde-les. C'est-à-dire, mon frère, regarde les journalistes dans le studio.
Faut regarder comment ils sont habillés. Regarde comment ils sont étouffés. Regarde comment la chaleur est en train de les bouffer. Mon frère, il faut te calmer. Il y a des sous-sous là, ils sont en avance. Ils sont en avance. Faut te calmer. Regarde comment ils sont étouffés dans un petit studio. Mon frère, il faut le laisser la terre. C'est Radio Kabak, il faut le laisser. Qui s'exprime dans une seule langue, vous? Tu penses que ça va impacter quelqu'un? Est-ce que tu penses que la Haute-Guinée suit ça? Ils s'expriment pour deux ou trois personnes, c'est tout. Qui mettent Radio Kabak sur Facebook, vous allez voir comment les personnes vont les écouter. Personne ne les écoute. Nous connaissons les radios privées dans ce pays. C'était Espace, c'était Djuma, c'était... Fim FM et autres. Quand tu entends les gens dire que... Tu as vu comment ils insultent Alpha Condé? Quand tu les demandes tout de suite là, qui a permis l'installation de Kabak TV? Ils ne vont pas te répondre. C'est à quel moment ils ont installé Kabak TV, mon frère? Il faut te calmer. Des gens comme ça, il ne faut pas les conseiller. Alpha Condé n'a rien fait. Oui, c'est Doumbia qui a tout fait. C'est Doumbia. Il faut leur dire que... Il y a d'autres membres qui écrivent en bas là-bas. C'est Doumbia qui a tout fait. Vous êtes dans le bonheur. C'est des gens, vous le demandez tout cela. Ils n'ont même pas la dépense. Ils n'ont même pas la dépense. Mon frère, dites-leur de prendre seulement les images de la route d'Ibreka. Il faut leur montrer s'il peut expliquer. Il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas t'expliquer. Regarde, il n'y a pas de route à Dibreka. Tout est bloqué. Prends la ville de Conakry sous l'eau. Tu les donnes. Mais ils ne vont pas t'expliquer. C'est des radios qui parlent dans une seule langue. Donc, ce n'est pas important. Il faut leur dire de s'exprimer en français. Moi, je ne connais pas Kabak TV. Je ne connais même pas cette radio. Donc, mon frère, il faut te calmer. Dans ce pays-là, quand tu parlais de radio, on parle de Djoma, de film et d'espace. C'est les radios-là qui sont... Mais quand tu parles de Kabak, qui suis? Moi, je ne suis même pas... Qu'est-ce que les gens vont dire? Regarde les journalistes, ils sont étouffés. C'est des inconscients. Il faut le laisser. Je dis, tu ne connais pas, parce que tu ne causes pas avec les leaders soussous qui sont à l'étranger, des jeunes influents de la basse-côte. Quand les gens-là te parlent, tu restes tranquille. Si tu vois que Doumbia n'a pas reçu dans ces bêtises-là, c'est parce que les jeunes influents soussous qui sont à l'étranger-là ont pris le contrôle de la basse-côte. Et où du premier Ahmed de Parla ne peut même pas parler devant eux. Mettez les cœurs, ils sont là, ils sont en train de mettre la tête de mort. Laisse tomber, revenons à nos moutons. Voilà, moi des radios qui ne sont pas connues, je ne perds pas mon temps dessus. Ils n'ont qu'à... Oh, mais toi aussi, mon frère, il faut te calmer. Donc, Nous allons montrer ça au Konlala parce que je fais lecture de ça parce que ce que lui dit c'est très important. Parce que c'est moi, je le lis devant vous. L'avant-projet de la nouvelle constitution discrètement modifié. Voilà. Voilà mon frère, l'ancien camarade qui c'est la première fois l'entendre. C'est la première fois que d'autres vont entendre parler à travers moi. Tu es en train de me pousser à faire les publicités, mon frère. Faut les laisser. Voilà. On lit l'avant-projet de la nouvelle constitution discrètement modifiée par Dansa Kuruma. Voilà. Discrètement modifiée par Dansa Kuruma. Et voilà ce qu'on dit. L'observation a été faite sur vous savez, sur le site de Elon Musk, a dit sur X par Mamadou Ismaël Konaté, avocat et ancien ministre malien de la justice. Il constate qu'entre les deux publications de l'avant-projet de la nouvelle constitution, une disposition a été modifiée sans que cela fasse de vagues au sein de l'opinion publique guinéenne. Voilà. Et la modification concerne l'article 41. Paragraphe 2, qui était initialement rédigé ainsi dans la première publication. Et voilà ce qui a été fait dans la première publication. Les institutions juridictionnelles, il y a 1, la Cour constitutionnelle, 2, la Cour suprême, 3, la Cour des comptes, 4, la Cour spéciale de justice, 5, le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'était au départ. Maintenant, c'est modifié. Avant, dans la première publication de l'avant-projet de la Constitution, au deuxième paragraphe, il y avait 5 institutions. Maintenant, il y en a 4. Il y en a 4 maintenant.
Dans ça, a enlevé la justice dedans. Ils ont enlevé dans la Constitution. C'est-à-dire, si je comprends bien, maître Konaté, c'est que maintenant, la justice sera gérée par le futur chef d'État. Dans ça, a carrément enlevé le cinquième. C'est la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême, la Cour des comptes et la Cour spéciale de justice. Il n'y a plus de conseil suprême. Ils ont enlevé ça dedans, selon dans ça. Maintenant, voilà, on dit bizarrement, c'est devenu 4 au lieu de 5. Donc, la Constitution a changé. N'est-ce pas ce que le colonel Amara a donné à la raison, comme raison du coup d'État, en disant qu'une phrase avait été modifiée par le président Alpha Condé et que ce n'était pas le troisième mandat la raison du coup d'État. Mais plutôt, cette modification d'une phrase dans la Constitution finale publiée. Donc maintenant, le peuple a le même droit et la même raison légitime de révoquer cette Constitution et le CNRD. C'est Maître Konaté qui le dit. Parce que ce qu'Amara avait dit, que ce n'est pas le troisième mandat, c'est parce que il y a une phrase qui a été modifiée dans la Constitution par le professeur Alpha Condé. Donc Maître Konaté dit, donc, si eux aussi ils ont enlevé le cinquième, c'est qu'on doit, le peuple a le droit de révoquer. C'est tout, c'est simple, c'est automatique. Parce que personne ne s'est contredit, hein. Personne ne s'est contredit, c'est vous qui avez écrit. Et la contradiction vient de vous. Donc, je pense que c'est clair. Voilà pourquoi quand on nous dit que cet enfant était un amateur. Dans ça, était un amateur. Il ne connaît rien en matière de justice. Donc, on prend, on le donne, il bouffe comme ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut accepter le guide du peuple? Quand vous entendez Constitution là, c'est le guide du peuple. Je ne fais pas la comparaison, astaghfirullah, mille fois, c'est comme le Coran. Le Coran, c'est le guide des musulmans. La Bible, c'est le guide des chrétiens. Maintenant, c'est comme la Constitution, c'est le guide d'un peuple. Et puis, un individu se lève là-bas, tranquillement, c'est lui qui modifie les choses, sans savoir les mettre dans leur contexte. Il est en train de nous faire voyager dans le vide. Merci, Tata, qui est en Fatmata. Hein? Oh. Et voilà. Je continue tout de mettre qui t'a dit. Dans la seconde publication, il constate l'omission du conseil supérieur de la magistrature. Est-ce bien le même avant-projet de constitution pour que cette partie du texte soit supprimée? Il apparaît clairement que le conseil supérieur de la magistrature n'est a priori pas une institution juridictionnelle, a-t-il souligné. Autant que la modification du test ne devrait pas intervenir dans cette manière. C'est lui qui le dit. Non, c'est grave. Et l'occultation du conseil supérieur de la magistrature, c'est l'indépendance des juges, la vraie, donc un vrai contre-pouvoir à l'exécutif. Qui a été enlevé. C'est inadmissible pour un dictateur. Non. Je pense que, mon frère, comment vas-tu? Je pense que Dansa Kuruma est en train de jouer avec nous, Dansa Kuruma. Voilà un enfant qui est né avant-hier, en train de. C'est-à-dire, il est en train de jouer avec notre esprit. Et moi, je voudrais dire ça, parce que voilà. Les institutions des droits de l'homme et autres, là, arrêtez de nous fatiguer. Il ne s'agit pas d'écrire, de signaler ce qui se passe en Guinée. Vous devez agir. Pourquoi vous laissez la France inviter Mamadi Doumbouya? Alors pourquoi vous le laissez? Au lieu de dire, de signaler qu'il y a telle situation en Guinée, mais pourquoi vous laissez Doumbouya tranquillement aller en France, dans tous les pays du monde? Pourquoi? Vous avez les moyens, si vous voulez aider ce pays, parce que vous lancez, c'est-à-dire vous lancez des cris aux Nations Unies, à l'Union Européenne, ce que la Guinée est en danger. Au lieu de dire que la Guinée est en danger, vous avez les moyens, vous avez la justice internationale, vous pouvez régner ça pour nous, pour nous aider. Ce n'est pas les écrits. Les Guinéens n'ont plus besoin d'écrits. Les écrits et les propos là, c'est nous. Mais vous, vous êtes influents.
Vous avez l'audience au niveau de tous les congrès et autres. Mais vous devez nous aider. Au lieu d'écrire, voilà ce que vous dites. Hein. On dit la Guinée qu'on a écrit sur les bancs des accusés. N'importe. Rien ne va plus en Guinée. Disparition des personnalités de la société civile. Répression brutale des manifestations. Fermeture des médias. Journalistes menacés. Des mesures liberticides. Et les exactions perpétrées par la junte au pouvoir donnent des vertiges. Donnent des vertiges. Ça là. Ce que vous avez cité là. 3 ans nous sommes en train de dénoncer ça. 3 ans. 3 ans. Alors aidez-nous s'il vous plaît. Le 15 août à Symphonia, un quartier de Conakry, lors d'une manifestation pour dénoncer les problèmes de délestage. Les forces de l'ordre, entre parenthèses, forces spéciales, ont tiré sur la foule à balles réelles. Ibrahima Sadio Diallo, 9 ans, a été tué. L'enfant rejoint la liste des 52 victimes de la répression exercée lors des rassemblements par la junte guinéenne depuis l'arrivée de Mamadou Doumbouya au pouvoir en septembre 2021. À cela, il faut ajouter les règlements de compte au sein de l'armée. Oui, oui, les règlements de compte au sein de l'armée, dont le bilan macabre reste confidentiel. On nous fait savoir qu'il y a eu plus de 27 militaires tués. Oui. C'est plus de 27, pas 27, c'est plus de 27 militaires tués. Plus de 27 militaires tués, plus les civils. On est à combien de... À 92 morts. Et ça, c'est ce que mon frère Doumbouya a dit. En complicité avec la France, c'est ça même mon frère de sang. Arrêtez d'écrire de tout ça là. C'est les réalités que nous vivons dans ce pays. Mais qu'est-ce que vous faites pour aider ce pays? Parce que c'est que, voilà ce que vous ajoutez encore. On dit sans oublier, bien entendu, les disparitions forcées à l'instar de 2 activistes du Front National pour la Débonne. Tout ça là, le 10 juillet dernier. Mamadou Bidoba et Oumar Sylla ont tous 2 été arrêtés par des hommes en treillis et cagoulés. Les derniers témoins racontent qu'ils ont été frappés, traînés au sol avant d'être contraints de monter dans un véhicule militaire. Depuis, malgré les tapages médiatiques dans leurs familles respectives, de leur organisation, de leurs avocats, plus aucun signe de vie. À Conakry, de nombreuses rumeurs circulent. Selon certains, ils auraient été torturés à mort. D'autres affirment qu'ils sont toujours vivants, mais il ne reste que quelques peu de jours pour les morts. Mais dis donc. Le silence de la junte à l'égard à celui. Et la France reste, oui, la France reste. Et voilà. Le sort des journalistes est tout aussi alarmant. En juin dernier, Reporters sans frontières avait condamné la fermeture en toute illégalité de 4 radios et 2 télévisions privées. RSF avait appelé la CEDEAO à réagir, mais l'organisation ouest-africaine a fait la sourde oreille et les menaces contre les journalistes se perpétuent. Mais dis donc, foutez-nous la paix. Vous ne faites rien pour ce pays. Laissez-nous. Merci beaucoup, mon frère Marvin Rich, qui est en train de bien conclure. Il a bien conclu. Donc, Nebradaya, il a dit la Guinée va rester le seul pays qui n'a pas, qui n'a pas ça. Le conseil de la magistrature, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est que c'est fini. Le seul pays, Et c'est ce que Mamadou Doumbouya a vu. Abraban, Ambekofe, on se reprend. N'oubliez pas, c'est le mardi 20, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère Marc. C'est la vérité. Le seul pays où il n'y aura pas de conseil de magistrature, il n'y en aura pas. C'est fini, c'est le voulu. Parce qu'on connaît son rôle. Portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. Bon week-end. À la terre. À l'aller. Kuala Bimina. Ikaya Mimina. Olé. Nkanyi olé roté. Voilà.